Allô, Pasteur Alors, Marco. pasteur. Bonjour, Pasteur. Bonjour, bonjour. Vous allez bien, Pasteur? Oui. Ah, ok. Je vous appelle, excusez-moi pour le dérangement matinal. C'est vraiment pas dans mes habitudes. Je vous appelle parce que je me suis dit, ça, ce n'était pas important que je puisse appeler une autre personne. J'ai voulu vous parler directement parce que j'ai parlé avec Madame Mégé Rofi, que vous connaissez. Mais j'ai. Oui, Rofi. Profi, oui. Oui, elle m'a dit Je qu'il y a connais. eu une rencontre chez vous à la maison et vous avez Oui. longuement parlé. Elle m'a donné un peu une idée sur votre rencontre parce que j'avais beaucoup insisté. Mais elle m'a dit deux choses et je voulais vérifier auprès de vous. Elle m'a dit que le pasteur Marcelo m'a dit que toi, Moïse, tu couches avec des prostituées et qu'il aurait de sauce sûre. Elle m'a aussi dit que, bon, tu savais que tu allais recevoir des gens, voilà pourquoi tu as arrangé l'église. Ça, c'est elle-même qui avait dit. Ah, ok. Moi, elle mélange des choses comme ça, Rofi. Ben, Rofi, je connais depuis longtemps. Depuis même toute l'histoire là. Oui. La première fois que je me voir, j'ai dit, Dieu, il ne faut pas que tu puisses dire tout à la place publique. Quand elle m'avait dit qu'elle avait un enfant avec toi, elle m'avait même envoyé la photo. Et puis, c'est comme ça qu'elle n'a jamais rien dit, tout, tout, tout. Quand elle est venue me voir, je lui ai dit, vraiment, moi, je sens que c'est toi qui es la femme de Moïse. Si vraiment j'avais un conseil à donner à Moïse, je lui dirais de t'épouser. Mais elle dit, il m'aime, mais il m'aime et il sort avec d'autres filles aussi. Alors, moi, je suis fatigué d'être là alors qu'il ne s'engage pas vraiment avec moi. Alors que c'est vrai, il m'a doté. Il ne va pas plus loin. Et moi, je lui ai dit, c'est lui l'homme de ta vie. Mais s'il te rate, vraiment, il risque de faire un mauvais choix parce qu'en l'ayant écouté et la manière dont vous êtes proche, ça m'a dit aussi d'autres trucs, 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 trucs. Mais ben, mais comme maintenant elle mélange et tout, elle ne veut pas de toi qu'elle te dise directement que comment elle vraiment elle mélange des choses comme ça. Bon, pasteur, Madame Rofi ne vit pas avec moi. Ça fera 10 ans que j'ai doté cette fille et pour des Sorry, il y a raisons. quelqu'un qui a voulu nous. Oui, je disais, ça fera 10 ans que j'ai doté cette fille et ça fera 10 ans aussi qu'on est séparés et j'ai un enfant avec cette femme et je prends soin de mon enfant et on a de bonnes relations. Mais elle m'a appelé pour ça, pour me dire allô, pasteur. Il faut qu'on s'appelle. Il y a quelqu'un qui coupe, coupe, coupe là, Je peux qui vous appelle appeler normalement normal là, alors, qui nous coupe. pasteur. Je vous appelle normal. C'est mieux. Non. Oui, pasteur. Donc, en bref, vous dites que tout ce que j'entends là, Moïse couche avec des femmes, Moïse a préparé l'église, tout ça. Elle-même, c'est ce qu'elle m'a dit. Ok. Et même d'autres choses et tout, tout, tout. C'est pour comment, vraiment. Elle-même a dit tout ça, là. Ok, pasteur. Moi, je voulais vérifier parce que moi, dans mes habitudes, quand il y a un souci, je ne passe pas du haut de la chaire pour parler, je ne vois pas les amis. Moi, j'appelle directement pour savoir s'il y avait un problème. En tout cas, s'il y avait un souci, j'aurais bien voulu que vous puissiez me le dire comme ça. Ça m'aurait rassuré, mais comme c'est faux, je sais comment je vais. Moi, je lui ai dit vraiment, s'il y a quelque chose à dire, j'ai dit non. Moi, je trouve que tu étais vraiment, ben, même là, j'ai dit non. Si je pouvais compter à Moïse d'épouser une femme, c'est toi. Mais elle a dit que non. Quand je reviens ici, que tout allait bien avec vous, depuis que papa est mort, vous êtes séparés, alors elle est fatiguée de que tu la prennes, que tu la jettes, que tu la prennes, que tu la jettes. Maintenant, elle veut se réengager. Je dis, elle voulait maintenant me demander si elle pouvait se réengager.
J'ai dit, oh, si Moïse ne veut pas de toi, tu es libre de te réengager. Maintenant, elle m'a parlé de la dot qu'on devait rendre, quoi, et tout, 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 tout. Et de ça qu'elle était venue qu'on parle. Et puis, elle m'a parlé d'autre chose pour conforter sa position. Quand je l'ai encouragée à t'épouser, maintenant, elle aussi m'a parlé d'autre chose qu'elle sait de toi pour conforter sa position. Pour que je ne lui dise plus de revenir avec toi. Ok, pasteur. Bon, moi, ce que je pourrais dire, pasteur, vous savez, vous avez votre église à côté, j'ai mon église à côté. Et par des petites choses comme ça, vous voyez, les gens peuvent venir et essayer de créer deux problèmes entre deux frères qui ne se voient pas. Chacun fait sa vie et crée des problèmes. Vous voyez, lorsque vous recevez des gens qui ont une certaine position par rapport à moi, ça peut permettre. Elle m'avait dit, pasteur, de le dire à personne qui ne sache pas et tout, tout, tout. Bon, vraiment, elle pasteur, vous savez, moi, par exemple, moi, tel que je suis là, Moïse Mbillé, si on vient, une personne qui a un problème avec Marcelo Tounassi, lui cherche déjà à me voir, je ne reçois pas. Pourquoi? Pour éviter de telles choses. Vous n'apprendrez jamais jusqu'à la fin de votre vie qu'il y ait une personne qui a eu un problème avec vous qui devient mon ami. Je dis pas. Non, on n'est pas amis. Voilà. On n'est pas amis. Voilà. Sauf que moi, tu vois, je voulais garder contact avec elle parce qu'il fait un temps, elle voulait dire trop de mauvaises choses sur toi et je l'avais interdit. Alors, je pensais qu'elle avait encore des trucs à vouloir dire sur la place publique pour que je lui dise non. Il faut pas que tu dises, parce qu'elle m'a écouté pendant au moins 5 ans, 6 ans, elle n'a pas fait, parce que les gens voulaient la pousser à médiatiser, je l'avais interdit. Je pensais qu'elle venait encore pour une telle chose. Bon, pasteur, comme vous avez mon numéro, si prochainement une personne qui a une chose contre moi voulait vous voir, vous voyez, quand vous me faites juste un message pour me dire, pasteur, je vais recevoir telle personne, juste pour que tu saches, pour que la personne ne vienne pas après pour essayer de me retourner contre vous, vous voyez. Je pense que ça sera un moyen de nous sécuriser, parce qu'on n'est pas amis, on parle presque pas, on se voit pas, mais comme on travaille dans le même coin, il y a toujours des gens qui tentent des choses. Et je pense que au niveau où vous êtes, et moi à mon niveau, descendre très bas comme ça, ça sera pas bon, pasteur. Mais c'est elle. Mais là aussi, des audios de toi qu'elle enregistre, j'espère que tu le sais. Bon, c'est mon ex-femme, pasteur. On a un enfant, et moi, pour mon enfant, je peux que rester en contact avec elle. Je vais pas jeter mon enfant. Donc, même si elle m'enregistre aujourd'hui, mais je suis obligé de l'appeler parce qu'on a un enfant. Ça, c'est pas un problème, pasteur. C'est juste que ça passe pas par vous, ni par un autre pasteur. S'il y a un problème entre moi et Rofi, je règle avec Rofi. Et si jamais ça arrivait à vous, pasteur, vous avez mon numéro, vous m'appelez juste, vous me faites un texto, ah, Moses, fais attention, il y a ça, ça, ça. On se sécurise. Je pense que je suis pas un démon pour qu'on me livre aux enfers, pasteur. Non. Ah, voilà, donc c'est un peu ça. Vraiment, sorry, hein. Tu vois, moi, je voulais un peu respecter le secret du Mundini qui te confie, parce qu'elle ne voulait pas, tout, tout, tout. Ah, sorry, vraiment. Merci beaucoup, pasteur, excusez-moi. Parce que moi, je voulais même t'appeler, je lui avais dit, Rofi, moi, je vais appeler Moïse pour lui dire que moi, je te trouve bien, que tu es la femme qui lui convient, pourquoi il ne finit pas jusqu'au bout. C'est vraiment, je lui ai dit, non, ne lui dis pas, ne lui dis pas qu'il ne sache même pas que je suis venu ici. Ah, j'ai dit, ben, Mundini, là, tout ça, volonté, mais. Ah. Ouais, c'est ça. Écoute, mais comment est-ce que je m'accueille de ma campo, vraiment, hein? Merci beaucoup, pasteur. Excusez encore. Merci pour vraiment, courage, hein? Merci beaucoup. Ah, sorry, vraiment, sorry. Merci, pasteur.